Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est GFL Cuisine Créole Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui entre la canou. Bam, dis-nous non. Jodi à la, je vais préparer un petit zèle de poulet piquant pour nous. C'est très, très, très bon. Nous, même quand vivons en Amérique du Nord, nous comptons de l'air, nous avons un Super Bowl que tout le monde va manger zèle de poulet. Jodi à la, je vais montrer nous comment nous sommes capables de faire zèle de poulet à la canou maison. S'il vous plaît, pas oublier de partager la vidéo pour moi, c'est très important. La main zèle de poulet déjà la coupé. Avec nous coupé petit zèle de poulet, nous prenons pilon yo et puis voilà, qu'on a mal commencé faire pour nous de façon créole. On mettait des belles cuillères épices créoles. On mettait beaucoup de thym et persil entier là-dedans. C'est pas un problème parce que on va obligé craser parce que moi pas manger. Mais ça c'est un piment bouclier, OK? C'est piment créole la canoa. Moi retire grain même qui était poids entier là-dedans. Parce que je voulais faire sentir piment boucle. Ça, c'est paprika lié. Moi, je mettais 2 cuillères de paprika. Là, nous, quand on a mangé le Noël rouge là, c'est paprika qui fait le rouge. Quand on a la plus que nous besoin avec une saveur créole, nous ne pouvons pas passer par citron. Nous mettons citron là-dedans. Une fois que vous mettez un citron entier là-dedans, mettez une belle cuillère de sel là-dedans. Après ça, on met poivre. Une fois qu'il mette tout épice ça là-dedans, qu'on a la moins pour la marinade. Et voilà. Qu'on a moins marinade comme ça, l'igétan y a une forme créole. L'igétan piqué à cause paprika. Mais nous besoin senteur, l'odeur, y a un petit parfum créole là-dedans. C'est pour ça que nous mettons piment bouc là-dedans. Nous pas mettre de l'eau, nous pas mettre l'huile et puis nous allons couvrir. Moi, je mets couverture là-dedans. Je vais quitter le mariné là pendant au moins une heure de temps. Après une heure de temps, il finit reposer comme ça. Moi pas de brasser du tout. Qu'on a là, moi juste venir moi secouer. Moi juste faire changer côté. Moi pas mettre de l'eau là-dedans ni l'huile. Qu'on a moi ouvrir froid tranquillement mettre la 3.5. Pas une grosse chaleur. Moi mettre couverture sous lit. Les pral chauffer tranquillement, il va le un petit de l'eau pendant 30-35 minutes tout petit comme ça. Et puis, je vais le virer et puis qu'on a pour mal sortir et puis pour continuer, reste zèle de poulet piquant pour nous. On y a le fait que nous allons mettre de l'eau dans la chaudière. Après 10 minutes comme ça, nous levons qu'on a là pour nous brasser encore. Nous faisons chavirer face en bas. Ça sent bon. Pour qui ça nous vire, nous chavirer face en bas pour en bas ou pas trop cuit. Ça qui est en bas déjà pour nous pas faire trop cuit. Après l'autre 10 minutes encore, je vais faire la même chose encore. Je vais venir avec notre deuxième 10 minutes encore. Regarde. Nous avons un petit de l'eau, mais toujours rouge. Hein? Nous avons c'est parfait ça. Hein? Qu'on a mis ton l'autre 10 minutes encore. Parce que je n'ai pas besoin de bien cuire. On l'autre 10 minutes encore. Qu'on a la moins vini troisième fois. Moi, tout fait mes fois. Hein? Regarde-moi ça. C'est beau ça. C'est très très beau. Regarde, meni. À ces ailes de poulet qu'on a là qui est en fin chaudé. Nous avons pas mettre de l'eau là-dedans. Les tout bail. Waouh! Qu'on a l'ambal décanté. Décanté veut dire sortir l'ensalier et puis qu'on a l'ambal continuer. Zèle de poulet piquant créole là pour nous. Ça c'est zèle de poulet. Moins pâtis friteuse moins. On va mettre zèle de poulet à refroidir. Yon petit 25 minutes. Et puis après ça, on va venir faire tranquillement pour nous. Qu'on a zèle de poulet à refroidir là, c'est parfait. Qu'on a là, on va commencer friture là. Mais friteuse là, sinon même nous pas une friteuse, n'a pas une ferme dans la chaudière. Ça veut dire si nous va faire une friteuse là, il faut chaudière bien chaud. Hein? Ça, c'est pas tranquille là parce qu'il va échapper l'huile sur lui. Il faut lui bien chaud pour saisir lui, qu'on a pour bien colorer. Si nous avons constaté, même si, regardez, nous elle bien colorée, mais viande a toujours été ferme. Qu'on y a là, c'est parfait. Hein? Regarde-moi, c'est bien coloré, c'est bien beau, bien belle. Waouh! On va verser dans ça là, dans le bol là. Mais nous regardons là, belle coloration, bien beau. Pendant tout chaud, on va peine quoi si qui ça. Regarde. Toute viande n'a été ferme. Il n'est pas crasé parce que nous te respectons la cuisson. Nous te mettons la cuisson tranquille. C'est ça qui fait l'été ferme là, ok? Regarde, viens là, son petit zèle pour le sévrer, regarde-moi ça. Bien blanc, bien belle, bien beau. C'est très goûteux là. Bon petit goût piquant là-dedans. Pas oublier de partager là. Partager la vidéo pour moi. Hein. Qu'on a mal fini cuit tout reste. Et puis après ça, nous allons
On va le couper pour nous goûter pour nous. Pendant zèle de poulet à frit, OK? Moi a fait un sorte de petit trempette pour nous, il y aurait les mille îles, il y aurait les. Ça c'est mayonnaise. Nous avons mayonnaise maison montre nous faire, nous ca faire la veille ou bientôt nous prend mayonnaise industrielle. Ça nous acheter la maquette. Mais mayonnaise là, moi j'ai une tasse de mayonnaise et ici moi j'ai une demi-tasse de ketchup. Ça nous relé sauce tomate dans pays noir. Déposer là-dedans. On brasser tous les deux ensemble. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit persil haché là-dedans. Mettez mes lits là. Ça, c'est un petit mille que nous montrer nous faire là. Lorsque nous avons mangé des ailes de poulet, nous avons une petite trempette. Nous. Mais les ailes de poulet là, c'est parfait. Hein? C'est excellent. Hein? Quand on a là, on va casser un petit crasse pour nous, on va le goûter le moins. Ah, c'est chaud par exemple. On va nous bouler là. Mon doux Seigneur, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est bon et puis petit goût piment, il y a un bon petit sel là-dedans, c'est agréable. Qu'on a, on va le montrer nous. On vient avec petit mille, sauce mille là. On dépose là. Mes ailes de poulet piquant. C'est beau. C'est vraiment beau là. Et puis avec petite sauce de mille là-dedans. Pas oublier de partager le pour moi, d'accord? Partagez le avec le maximum de monde pour moi. Parce que c'est bon, ça coûte pas cher et puis c'est agréable, c'est délicieux. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui était entré là-bas. Merci, au revoir.